Pour moi, j'ai une bonne semaine. Le matin, je vais quelque part où Dieu m'envoie pour prier. Dieu me parle et en même temps, c'est le sujet de ma prédication pour le soir. Je n'ai pas besoin de me préparer. Il y a des pasteurs, ils m'ont dit, ils se préparent pendant 6, 7, 8 heures pour une prédication. Là, j'arrêterai ce travail. Eux, ils ont sans doute la capacité, moi pas. J'aime, c'est pas un verset biblique, mais cette expression, Dieu le donne à ses enfants dans leur sommeil. Et moi, j'ai eu un cadeau de Dieu, un charisme. Pour moi, c'est un charisme. Je peux dormir dans la voiture. Je ne roule pas. Parfois oui, mais je roule pas, on me conduit, alors je peux descendre le siège et je peux dormir. Et quand j'arrive, je lève le siège et j'ai reçu la prédication. Dieu donne dans le sommeil et c'est quelque chose de merveilleux qui vraiment relaxe. La seule chose que j'ai dit au chauffeur, tu peux rouler comme tu veux, mais tu ne freines pas. Parce que si le chauffeur freine, alors je me réveille, alors ils ont appris à rouler sans freiner. Oui, en Suisse, ça peut devenir cher. Ok. Donc ce matin, j'étais dans ma ville de prière. C'est une place où j'avais l'impression que je devais aller, où souvent là j'ai reçu des révélations de Dieu. Et là, le Seigneur m'a parlé et j'ai été effrayée. Il m'a donné des versets et je voulais vous les lire dans Matthieu 23, que Jésus a dit lui-même, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et quand le Seigneur m'a donné ces versets, je me suis effrayée et je dis, Seigneur, j'aimerais pas que cette ville, ou pour laquelle je prie depuis 15 ans, qu'elle soit anéantie, comme Jérusalem est anéantie. Le Seigneur a dit, non, c'est pas ce que j'ai dit, mais aussi en Allemagne, il y a des villes entières qui vont être anéanties. Je ne sais pas si c'est avant ou après l'enlèvement, mais il dit, des villes entières vont être anéanties. Et pas seulement en Allemagne, mais en Europe, beaucoup de villes vont subir ça. Je peux te dire, j'ai l'impression que nos politiciens jouent avec le feu et que parfois nous sommes beaucoup plus proches et que ce n'est pas quelque chose de prophétique que maintenant on a eu. Je crois que le danger en ce moment est aussi important que jamais. Aujourd'hui, on a tellement d'arbres sur cette terre. La Russie a fait de la pub, ils ont un missile, on peut mettre une tête atomique devant et elle vole avec 4000 km à l'heure. Aucun radar ne peut détecter ça. Et ils disaient,
dans trois quarts d'heure. J'envoie ça à Hambourg et Hambourg serait anéanti. Juste un petit bouton. Je ne suis pas quelqu'un qui aime faire peur quand je prêche, je ne veux pas. Mais Jésus dit quand même, je vais revenir dans cette ville, à Jérusalem. Quelle était cette relation ce soir? Ce que je veux dire ce soir, je crois que Dieu m'a mis sur le cœur. Pierrot, c'est tellement important que vous priez pour vos villes. Pourquoi est-ce que Dieu aime les villes? Je peux te dire, moi, j'aime pas les grandes villes. Moi, je suis quelqu'un qui aime la nature, la campagne et les montagnes et tout, mais les grandes villes, c'est beau pour visiter, mais j'aimerais pas habiter dans la grande ville. Je suis content que là où j'habite, en 3 minutes, je suis dans les vignes, dans les champs. Je suis pas une personne de ville, mais je sentais comme Dieu avait un amour pour les villes. Tu sais pourquoi? Parce que là, il y a énormément de personnes et Dieu aime les personnes. Il a donné sa vie pour sauver l'humanité, mais aussi dans les villes. Peut-être c'est difficile ce que je vous raconte, mais le pourcentage de péché est beaucoup plus grand qu'à la campagne. Dans les villes, donc ils sont un peu en avance par rapport à ceux dans la campagne. Il y a toujours les nouveaux péchés découverts en ville et beaucoup veulent aussi habiter en ville, surtout les jeunes, parce que là il y a quelque chose qui se passe. Mais ce qu'il se passe, c'est pas forcément quelque chose de Dieu. J'ai pas vu beaucoup de monde ce soir, je vais en ville à cause du réveil. Chaque évangéliste, et ça, c'est une réalité que j'ai vécue. Quand on a des cultes de guérison, on a distribué des tracts en Allemagne. Sur 1000 tracts, une personne vient. Si on les distribue à la campagne, on a peut-être 5, 6, 7 qui viennent. Les gens sont beaucoup plus ouverts. En ville, souvent, il y a cette concentration. C'est beaucoup plus facile, si vous voulez des détails. C'est plus facile de trouver un endroit pour les prostituées qu'à la campagne. Ça, c'est dans la concentration et le manque de foi est beaucoup plus grand dans les villes où la mesure est tellement atteinte, où Dieu dit « je supporte plus, je me retire ». Maintenant, tu peux imaginer, si Dieu se retire d'une ville, le péché devient plus grand, la puissance démoniaque croisse, et le jugement sera plus important. Si tu veux anéantir cette ville, tu le dis, alors on n'a pas besoin de prier pour ça. Alors Seigneur m'a dit, tu sais, est-ce que tu peux recevoir, ressentir l'amour que j'avais pour Jérusalem? Est-ce que tu crois que Jésus aimait Jérusalem? Son cœur était accroché à cette ville. Bien qu'il savait, ils vont crier, crucifiez-le, crucifiez-le, il a tout donné. Oui, ils ont crié, Hosanna, notre roi, notre libérateur, viens. Et plus tard, ils ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le. Donc, celui-là, libérez-le, mais celui-là, crucifiez-le. Il y avait vraiment une mesure de haine qui est venue sur lui. Et il sait très bien, cette ville, elle va être détruite. Il le sait. Et tout de même, il avait un amour. Il a montré son amour pour cette ville. Alors le Saint-Esprit m'a parlé d'Abraham. Vous connaissez son histoire où Dieu lui dit, je vais détruire Sodome et Gomorre. Et qu'est-ce que fait Abraham? Il négocie avec Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Si 50, 40, alors il négocie encore. Il ne veut pas que cette ville soit anéantie, bien qu'il sait que c'est la volonté de Dieu. Tu peux imaginer, c'est ma volonté, je vais le faire. Et il se lève et il va contre la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu était frustré? Tu es hautain, mais tu es donc Abraham. Non, il n'a pas dit. Le cœur d'Abraham plaisait à Dieu.
Tu comprends? Son cœur plaisait à Dieu. Et le Seigneur me parlait, les villes sont en danger. C'est important que vous priez pour vos villes. C'est important que dans chaque ville, qu'on prie pour, dans les villes. J'étais une fois dans une ville, le Saint-Esprit me dit, j'aimerais te montrer quelque chose. Et je voyais, presque sur chaque maison, une puissance démoniaque. Le Seigneur dit, les puissances démoniaques ont toujours à voir avec les gens qui habitent dedans. Si un qui est alcoolique, dépendant ou la pornographie, les démons sont sur la maison. Et je suis marché dans la ville et je voyais tellement de démons sur les maisons. Et ça m'a découragé. Et je dis, Seigneur, mais est-ce qu'il y a aussi des enfants qui prient dans cette ville? Et tout d'un coup, il me montrait ces maisons où la gloire de Dieu était sur les maisons, où il y avait des intercesseurs, mais ce n'était pas beaucoup. Dans le monde invisible, il y a autre chose sur la maison, de la maison d'intercesseur, que quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Quelle présence de Dieu est sur ta maison? Tu peux imaginer, il y a des anges qui vont dans une ville et ils voient où sont les intercesseurs, ils voient leur maison, ils voient là, il y a des enfants de Dieu, la gloire de Dieu est là. Mais ils voient aussi au-dessus de maisons où il y a ces puissances, où les enfants sont maltraités et plein de choses sont arrivées, où il y a des voyants, où il y a des gens qui font du pendule et plein de choses. Et les puissances démoniaques sont là. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel, ce que Dieu m'avait montré. Et souvent, quand je rentre dans les villes, je dis, Seigneur, montre-moi où sont les maisons où tes enfants intercèdent, où tes enfants ont une relation dans leur maison avec un Dieu là-haut. Je peux vous dire, nos villes, que ce soit Suisse, Autriche, France, elles deviennent de plus en plus sombres, le péché devient de plus en plus gros, la manque de foi, l'occultisme, tout grandit, croit. Et la crainte de Dieu, celle-là diminue ou même se perd. Nos villes sont de plus en plus sombres. Et je crois que c'est important que Dieu, dans chaque ville, a des Abraham qui prient pour leur ville. Et même si la ville avait mérité d'être jugée, anéantie, parce qu'ils t'ont tellement provoqué, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aimerais prier qu'il n'y ait aucun jugement sur ma ville. Je veux me poser pour cela. Mais je disais, mais Seigneur, mais s'il y a quand même le jugement, mais s'il y a une ville, ils sont quand même anéantis. Est-ce que nos prières ont été inefficaces? Et il dit non. Les intercesseurs reçoivent plus que le résultat de la prière. Leur cœur est transformé. Et j'avais l'impression que Dieu dit, il cherche en ce moment, que ce soit un petit village ou une grande ville, qu'il prie pour leur ville, l'endroit où ils habitent, parce que ça prépare leur cœur pour ce qui est prophétique. Il y a des gens, ils croient, « Oh, moi aussi je vais être prophétique, moi aussi je veux aussi voir, je veux aussi avoir des dons, je vais chez un prophète, à une conférence, il m'impose les mains et alors ça se passe. » Je peux te dire, loué soit Dieu, que ça ne se passe pas comme ça parce que ta mentalité n'est pas bonne, ton attitude de cœur n'est pas bonne. J'ai l'impression, comme Dieu me dit, si les gens commencent à prier pour leur ville, à pleurer pour leur ville, comme Jésus a prié, pleuré sur Jérusalem, ils préparent leur cœur et alors leur cœur va devenir prophétique et Dieu va commencer à te montrer les plans pour le réveil, pour la ville, pour le pays. Je crois que beaucoup de gens sont là aujourd'hui qui ont une soif du prophétique, ce manteau prophétique. Je dis, c'est bon comme ça, c'est bon de comprendre Dieu, de connaître Dieu, ses plans, sa pensée, comment il en parle, comment il agit. Mais Dieu ne veut pas confier quelque chose à quelqu'un où le cœur n'est pas purifié par la prière et cette compassion et sa douleur pour la ville.
Peut-être que tu n'as pas vécu, que tu pries pour une ville ou pour des personnes, et tout d'un coup, tu commences à pleurer parce que cette douleur de cet endroit arrive, le touche. J'ai vécu ça en Suisse, je crois que c'était Langnau, j'étais une fois là-bas, avec beaucoup de jeunes, j'avais emmené 30 jeunes avec moi, et tout d'un coup, on avait ce désir de prier pour le pays. Et j'avais eu la révélation, comme Dieu dit, les pays, pour lui, c'est comme des enfants. Ce n'est pas 10 pays, non, chaque pays est pour lui comme un enfant. Alors les gens ont vraiment une onction pour prier pour les pays. Et je peux te dire que c'était des jeunes, on pense peut-être, oui, ils sont ouverts pour d'autres choses, non, ils étaient au sol, ils ont pleuré, et quelques-uns ont même crié de douleur pour leur ville, pour leur pays qu'ils ont reçu. Ces temps de prière superficielle ne vont pas transformer ton cœur. Quand quelqu'un est chrétien et prie au Seigneur, fait que ma fille réussit son permis, qu'il réussit son bac, que ma mari reçoit ce travail, les incroyants prient aussi comme ça. Et ça, c'est le niveau le plus bas. Ce n'est pas juste, ce n'est pas faux de prier comme ça, mais ça ne va pas transformer ton cœur. Ton cœur est transformé par la prière dans la mesure où tu ressens la douleur de Dieu pour cet endroit où tu es. Le Seigneur m'a mis ça dans le cœur. J'ai tellement aimé Jérusalem, malgré qu'ils vont me crucifier, ils vont me tuer. C'était, non, c'était Jérusalem qu'il aimait. Et malgré cela, il a pleuré, il a prié Dieu, « Donne-moi cette chance. » Mais le plan de Dieu était différent. Et ce soir, je crois que c'est la première fois que je prêche sur cela, je sentais ce désir de Dieu que des personnes, toi et moi, ou toi qui regardes sur YouTube, que Dieu t'appelle pour prier pour ta ville. Une fois, j'étais en Israël, j'ai fait une école de prophètes. Comment je peux vous expliquer? Il y a beaucoup de pasteurs, j'étais aussi un d'eux, je ne voulais jamais faire ça d'Israël, je sais qu'il y a tellement de gens religieux qui ont un pied dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau, et toute la journée Yoshua, Yoshua, où je sens c'est plus religieux qu'autre chose, et Dieu m'a dit, fais une école de prophètes, et on était là-bas le premier soir. Alors je dis, c'est bon qu'on commence à prier, et tout de suite, ces fans Israël se sont levés, ils ont prié pour Israël, Jérusalem, et Dieu me parlait. Il me disait, demande voir ces personnes, pourquoi est-ce qu'ils prient pour Israël s'ils ne sont pas capables de prier pour leur propre ville, aimer leur propre ville. Ça, c'est la religiosité. Tu vas aller en Israël, prier pour Israël, si tu n'aimes pas ton propre pays, ta propre ville, ton propre patrie. J'ai remarqué aussi qu'en Allemagne, que les jeunes, ils ont rejeté leur propre patrie, ils voulaient que chanter, prier en anglais à cause du passé allemand. Mais celui qui est en Jésus, il est aimé. Et je crois qu'il faut de nouveau à prier pour notre ville, à nous repentir, à pleurer. Et alors Dieu va de nouveau mettre dedans le prophétique. Dieu a dit, si tu pries pour une ville, toi, dans ton cœur, tu vas avoir tellement de transformation que le prophétique vient, que je suis obligée de montrer mes plans à mes enfants. Comment est-ce que tu vas avoir un plan pour le monde entier si tu n'as même pas un plan pour ta ville? Prier peut aussi être un poids.
Il y a des temps où on prie dans la joie, mais il y a aussi des temps où dans la prière, tu as un fardeau. C'est le fardeau de Dieu pour ta ville, pour les personnes qui habitent là. Et surtout, peut-être, pour les personnes qui te rejettent, qui te critiquent parce que tu es croyant, des gens qui te méprisent. Tu peux quand même prier pour eux. Est-ce que tu as tout de même un fardeau pour eux? Il y a plusieurs années, j'habitais quelque part et il y avait un voisin. C'était un sataniste, mon voisin. Le vendredi toujours, il accrochait un poulet dans son garage et beaucoup d'autres choses. Et on sentait vraiment quand il est arrivé, il me tirait dessus. J'avais dit pas un mot et j'ai senti il me tire dessus. Et chaque culte que nous faisions, surtout les cultes de guérison, 5 minutes avant qu'on partait, il sonnait chez moi. Oui, votre voiture n'est pas bien parquée, ceci, cela. Et maintenant, à chaque fois qu'il parlait, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose émotionnellement, c'était chargé. Maintenant, il faut aller au culte. Tu avais eu cette confrontation spirituelle et tu habites à côté d'une personne comme ça. Et c'était dimanche après-midi, je voulais aller au culte. Je voyais cet homme dans son jardin. Il était en train, dans son jardin, à construire un escalier. Et je remarquais, manuellement, il n'est pas forcément tellement doué. Et je regardais, je souriais à moitié. Et le Seigneur me dit, sors, aide-le. Et je disais, Seigneur, dans 10 minutes, il faut que je parte au culte. Pierrot, sors, aide-le. Et je dis, Seigneur, je voudrais aimer à tout le monde dans le village, mais pas à lui. La troisième fois, aide-le. Alors je suis sortie, j'avais comme ça un outil où on peut faire des escaliers et je lui ai dit, bonjour voisin, j'ai vu que c'est difficile, regarde avec cet outil, j'ai aidé pour 2 marches. Alors il me regarde et je sentais son esprit n'avait plus aucune puissance. C'était parti, il n'y avait plus de confrontation et Dieu a dit, si tu l'aimes, ces démons n'auront plus aucun effet sur ta vie. Qui d'entre vous dans sa ville a déjà senti l'oppression, les démons dans sa ville? Tu sens quand tu marches au travers de ces rues, tu sens les oppressions. C'est là. Le péché crie, le sang des innocents crie jusque dans le ciel. Combien d'enfants étaient avortés dans ta rue? Le sang crie jusque dans le ciel. Ça signifie justice de Dieu voudrait venir là. Les démons ont le droit. Parfois, j'ai vu des chrétiens qui m'ont dit, on voudrait venir déménager à Heidelberg, c'est tellement beau chez vous. On vient, chez nous c'est tellement terrible, mais peut-être que Dieu t'a mis à cet endroit terrible pour te former. Qu'est-ce que tu penses? Quand j'ai fondé l'église, je travaillais en tant que commercial, l'église grandissait. Et j'aimerais dire, dans cette entreprise où je travaillais, le chef était tout sauf chrétien. L'atmosphère, je sentais, ils savaient tous que j'étais chrétien, et je remarquais qu'il y a quelque chose. Alors j'ai une fois prié, Seigneur, quand est-ce que j'ai le droit d'arrêter? Quand est-ce que j'ai le droit d'arrêter et d'aller dans le ministère? C'est tellement difficile. Tu sais ce qu'il m'a dit, le Seigneur? Quand tout le monde dans l'entreprise sait que tu es chrétien. Tu sais, ça allait très vite. J'avais comme ça une impulsion. Tu sais ce que j'ai fait? Dans cette entreprise, il y avait un collègue, un chef. Au rez-de-chaussée, c'était la personne la pire. Il avait toujours fumé 5 paquets de cigarettes, était toujours alcoolisé, il maudissait toujours, vraiment une personne assez... Tu ne serais jamais allé en vacances avec lui. Mais chez lui, j'ai commencé. Je suis descendue chez lui,
Il avait ses alcools, sa cigarette, et je dis, je ne sais pas si tu sais, j'aime Jésus-Christ, il est mon Seigneur, mon Sauveur, je l'ai accepté. Seigneur, j'ai fait mon job. Une demi-heure plus tard, le chef de toute l'entreprise qui vient, qui dit en haut, sur le toit, il a plu, j'aimerais que tu vois. Et vous venez avec moi, je dis oui. C'était un toit plat de l'entreprise. 5 minutes plus tard, un collègue vient, il dit, Faye, c'est juste, vous connaissez Jésus ? Je pensais déjà qu'il y a le premier qui vient pour mal parler. Je me retourne et je dis oui, je connais Jésus. Et je dis oui. Ah, je peux une fois parler avec toi ? Je dis oui. Alors il me raconte. Il avait 19 ans, il y a 3 ans. Il a donc donné son sang à Satan et il ne sait pas comment sortir de ça. Il me raconte comme ça, tout de suite. Le mardi, je l'ai invité dans notre groupe de maison. Il s'est tout de suite converti, on l'a délivré. Tu sais, ça, c'est le plan de Dieu. Et je peux te dire, 3 semaines après, donc l'entreprise a fermé et j'étais libéré. Tu sais, Dieu a un plan pour chaque personne qui est là. Il a un plan pour toi. Mais souvent, dans ton plan, il y a des haies. Vous connaissez ces 100 mètres avec les haies qu'il faut surmonter, sauter par-dessus ? Quand tu te convertis, ce n'est pas un chemin tout plat, non, mais il y a des haies qu'il faut passer, donc le baptême ou d'autres choses. Mais une haie va toujours être comment est ta vie de prière pour les autres. Est-ce que tu es prêt à prier pour les autres? Est-ce que tu es prêt à donner ton cœur à prier pour les autres, pour les villes? Si c'est le plan de Dieu, pour libérer un bout de ton appel avec la prière, si tu ne le fais pas, tu n'iras jamais dans ton appel. Tu peux essayer toi-même, mais tu vas toujours retomber. Je peux te dire, la préparation pour un cœur prophétique, c'est toujours l'intercession. C'est que ton cœur est prêt à pleurer pour les autres ou pour d'autres pays. J'aimerais pas te faire trop long ce soir, mais j'aimerais que le Saint-Esprit te touche. Qu'il commence à te donner un fardeau. Est-ce que tu habites à l'endroit que Dieu a prévu pour toi en ce moment, maintenant? Ou est-ce que tu te sens mal à l'aise et que tu as envie de fuir? Il y a des gens qui déménagent très vite, beaucoup, et ne se sentent jamais à l'aise parce qu'ils ne supportent pas l'atmosphère, les démons, là où ils sont pour les confronter. Là où tu habites, il y a des démons, il y a la sorcellerie, qui te connaissent, qui t'attaquent, et tu les sens, tous ces attaques. Et tu sais, si tu changes d'appartement à cause de ça, rien ne changera. Là où tu déménages, ils seront là aussi. Et Dieu, parfois, te laisse rentrer dans les situations pour que tu apprennes à avoir la victoire là où tu es. Dieu a autorisé, j'étais pasteur, nous, fraîchement pasteur, que mon voisin était un satanique. Je dis, mais Seigneur, est-ce que tu peux autoriser quelque chose comme ça? Il voulait que j'accepte cette confrontation et dans l'esprit que je fais ce que Dieu me montre pour prier pour lui. Je ne veux pas que juste qu'on raconte des choses comme ça, mais que tu regardes en toi, là où tu habites en ce moment, là où tu es, dans ta maison, dans ton appartement, que toi, est-ce que toi tu règnes chez toi, ou est-ce qu'on règne sur toi avec des cauchemars, des sentiments, des dépressions? Si tu es là,
Si maintenant tu écoutes maintenant et tu connais tout ça, tu ne te sens pas bien. De préférence, tu préfères déménager dans un autre pays, une autre région, une autre maison, une autre famille. Alors je veux dire, apprends à confronter là où tu es. Apprends à faire l'intercession pour tes ennemis. Apprends à être victorieux là où tu es, là où Dieu veut que tu sois. Et si tu fais cela, alors tu as passé une haie. Je connais des chrétiens, ils sont depuis 50 ans croyants, mais ils sont toujours encore devant la première haie. Ils sont toujours encore dans la chair. Ils n'étaient pas prêts à dire Seigneur. Je trouve que ce n'est pas agréable, mais maintenant je vais sauter au-dessus de la première haie. Et après la première, tu marches un peu et Dieu te donne la prochaine. Jésus n'a jamais dit que nous irons de victoire en victoire. C'est juste ça. Nous allons aller dans le combat avec la grâce et après la victoire. Et après, il y a le prochain. Et ça va venir. Je sens ce soir qu'ici, il y a des gens qui sont assis. Tu dis, je suis une personne comme ça. Là où j'habite maintenant, je le sens. C'est pas Israël chez moi. Il y a plein de choses dans la maison où j'habite, partout. Je me sens pas bien du tout. Tu sais ce que dit le Seigneur? C'est ta première haie. Surmonte-la. Et peut-être qu'après, Dieu va te dire, oui, je te donne une maison plus belle et ceci, cela. Mais surmonte d'abord ça. Pas dans ce que tu combats seulement, mais que tu fais de l'intercession pour ce qui est là. Et après, fais de l'intercession pour cet endroit. Comme Dieu me dit, si tout le monde sait dans cette entreprise que tu as accepté Jésus, que tu es chrétien, alors le temps sera là. Dès que je le savais, j'ai fait vite, je voulais l'avoir. Donc j'ai sauté toutes ces haies. Bien sûr, j'aurais eu autre chose, j'aurais voulu faire autre chose, mais je l'ai fait. Où est ta première haie? Il y a des chrétiens, ils vont en cure d'âme depuis des années, ils veulent avoir la compassion et des caresses de la personne. Est-ce que ce n'est pas forcément mieux de dire à cette personne où est cet obstacle? Saute au-dessus, surmonte cet obstacle et arrête de chercher des caresses. Oui, il faut surmonter. Il y a un temps, à Nouvel An, j'en ai parlé, il y a un temps où Dieu veut nous révéler des choses fortement et nous les révéler aussi, les dons, c'est cette multiplication. Je sais qu'elle va venir, mais Dieu a dit, je vais confier à des personnes qui sont prêtes à faire ces pas avec moi, à surmonter les obstacles. J'aimerais un moment que dans ton cœur, tu demandes, quel est cet obstacle qui m'empêche de rentrer dans mon appel? Quel est cet obstacle où, dans la prière, il faut que j'aie la victoire? Où j'arrête d'accuser tout le monde, mais c'est entre Dieu et toi. Et Dieu est cet obstacle. Toi, tu dois surmonter l'obstacle. Les chrétiens qui sont contents, ils sont sauvés, ils ont un bon job, une famille, ils sont en bonne santé, ils attendent jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou qu'il meure. C'est beau, mais ils ne vont pas construire le royaume de Dieu, ou peu. Dieu cherche des combattants, des combattantes qui sautent au-dessus d'obstacles. Je te demande une dernière fois, quel est le prochain obstacle? Dans ta vie, c'est là où tu habites, de surmonter cette puissance qui est là où tu habites. Est-ce que c'est de dire à Dieu, je ne veux plus déménager, je ne veux plus fuir, je veux rester en place?
Écoute, si cela, soir, tu es là et tu vois l'obstacle, et ce soir, tu peux dire à Dieu, « Oui, je vais sauter par-dessus, je te le promets. Je vais surmonter et je vais marcher cette marche jusqu'au dernier jour de ma vie. » Si ce soir, tu vois cet obstacle et tu veux dire à Dieu, « Dieu, je te promets, je vais sauter par-dessus. » Alors lève-toi simplement, je veux prier pour toi. Saint-Esprit, j'aimerais un moment que tu viennes. Saint-Esprit, tu vois, parfois, les poids sont trop lourds comme des Goliaths, mais David a vaincu Goliath. Et toi, Jésus, tu as pris ce poids, ce fardeau à la croix, et tu as donné ta vie pour cela. Seigneur, nous voulons être des vainqueurs. Nous voulons avoir cette onction de prière pour arracher ces fardeaux. Nous voulons arrêter d'être au mur de lamentation et de nous lamenter. Nous voulons arrêter toujours de courir à la cure d'âme et de tout raconter aux autres personnes, mais d'avoir le temps de la prière pour sauter au-dessus des obstacles. Comme on commence à prier pour l'endroit où nous habitons, à remercier pour la ville, l'endroit, à prier pour cet endroit. Remercie Dieu que hier était la situation tellement terrible, dire merci, je vais la surmonter. Jusqu'à ce que la prochaine vienne. Je ne sais pas pourquoi, mais inspirez, voir. C'est comme si une foi venait, une foi de sauter au-dessus des obstacles, une foi que David avait de tuer Goliath. Tu vas apprendre à combattre dans la prière, à pleurer, d'avoir des douleurs, que ton cœur, je veux dire, qui est comme déchiré parfois, et Dieu peut poser quelque chose dedans. Ce qui est humain de toi est enlevé, et le spirituel sort de ton cœur. Jésus a pleuré et il a prié que la sueur de sang est sorti de lui. Personne n'a jamais prié comme ça. Mais une partie de cette onction de prière va venir, dit le Seigneur. Ce soir, un bout de cette onction de prière pour combattre pour ces fardeaux, pour que ça vienne sur toi. Reçois maintenant que tu saches que chaque Goliath qui va venir, au nom de Jésus, tu vas le vaincre. Tu vas le vaincre. Waouh! Ça vient encore. Laisse rentrer ça en toi. Laisse-le. Il y a une onction surnaturelle de foi, de combat qui vient maintenant sur toi. Il y a quelque chose en toi. Waouh! J'aimerais que tu vois Goliath devant toi. Je vois que tu le vois. Les combats qui vont venir, que le prophétique en toi soit libéré. Reçois maintenant. David a dû combattre jusqu'à ce qu'il était roi. Laisse le Saint-Esprit encore venir. Laisse-le t'offrir cette fois. Tu vas sauter au-dessus des obstacles. Tu ne vas plus être au mur de lamentation. Est-ce que tu sens cette foi qui est là? Tu sens cette foi qui est là? Écoute, j'aimerais ce soir faire quelque chose. Si cette foi est rentrée en toi maintenant, j'aimerais compter jusqu'à trois.
et on va pousser un cri de victoire. C'est comme pour les murs de Jéricho qui sont brisés. Les murs vont être brisés. Laisse cette foi venir. Laisse cette foi encore venir, plus en plus fort en toi. Ce cri de victoire, c'est comme dit à l'ennemi, écoute, je vais te combattre, je vais te vaincre. C'est le cri de victoire. Un, deux, trois. Reçois maintenant, reçois que derrière ce mur qui a été brisé, Dieu est là. Dieu est derrière ce mur qui a été brisé et il est là. Il est là maintenant. Écoute, Dieu a tellement aimé David parce qu'il a vaincu Goliath. Je vois, chez beaucoup de personnes, des murs sont brisés maintenant. Et pense derrière ce mur, Dieu attend, t'attend. Il veut te donner la main. Et je t'emmène au prochain étage maintenant. Je vois des gens qui ont des problèmes de cœur. Plusieurs ici qui souffrent de leur cœur. Quelqu'un, il n'y a pas longtemps, avait une inflammation du cœur. Je vois que derrière ce mur, Dieu, il y a la guérison. Et si tu as des problèmes de cœur, des problèmes, des douleurs, et tu es au bord de l'infarctus, mets ta main sur ton cœur maintenant. La guérison doit se faire maintenant. Cet esprit de mort doit partir, te quitter. Ça doit te quitter. Aucun jour, l'ennemi n'a le droit de te prendre un seul jour avec ses problèmes de cœur, ses douleurs que beaucoup avaient d'entre vous fortement. C'est souvent parce que vous avez... L'ennemi vous a fait peur, vous étiez devant ces obstacles. Et Père, je prie que cette onction prophétique vienne. Je vois comme un temps vient où souvent tu es tout seul, tu as pas prié prophétiquement tout seul. Ça va être comme un canal qui va être libéré en toi. Aussi quand tu es chez toi et que tu vois, même dans ton appartement, quelque chose va se transformer. Quelque chose va se transformer. Ce soir, dans l'esprit, tu as surmonté un obstacle, mais je sens qu'un nouveau temps va venir où ça va être plus facile. Et quand tu changes dans l'esprit, il y a des anges qui viennent dans ton appartement. Et j'ai l'impression qu'il y a un temps qui va venir où une bénédiction va venir maintenant, jusqu'à ce que la prochaine étape vienne. Tu es un combattant, dit Dieu. Tu es mon combattant. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. À la maison, tu as une hache et tu as prévu de couper un arbre. Je ne sais pas s'il est dans ton jardin ou quelque part. Ce qui est cette personne, c'est quelqu'un qui est là. C'est complètement fou. Oui, ok. Le Seigneur veut dire, fais-le. Fais-le. Ça a une signification spirituelle. Venant, coupe cet arbre avec cette hache. Merci Seigneur que beaucoup de tes enfants sont là. Ils vont avoir des missions, des fardeaux et que des bons temps vont être là. Que demain, ils vont avoir une super école prophétique demain, Seigneur, où tu vas construire quelque chose dans le cœur des personnes.
Merci Seigneur que de plus en plus tu vas envoyer ici des hommes et des femmes de Dieu qui vont édifier le peuple de Dieu ici. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, je pense que tu as comme ça une boule, quelque chose dans la gorge, ça t'empêche parfois même de déglutir. C'est qui cette personne? Et la voir, mets ta main dessus. Je crois qu'il y a encore une personne là. Il y a quelque chose dans la gorge, oui. Mets ta main dessus. Père, je veux que ça se dissoude, que maintenant ça disparaisse, que le feu de Dieu vienne, le feu de la guérison, et que tout ce qui est au niveau de la gorge, ça parte, tout, tout, aucune boule, rien du tout. Et tu peux de nouveau déglutir, maintenant ça commence, tu peux sans douleur déglutir. Et cette peur de la maladie, qu'est-ce que ça pourrait être, ça s'enlève. Dieu a sa main dessus. Il y a quelqu'un qui est là, tu as comme ça un tapotement dans la tête et souvent tu as des pensées, ça pourrait être une tumeur, comme ça un tapotement dans la tête. C'est qui la personne? Lève la main. Mets ta main maintenant sur ta tête. Au nom de Jésus, ça part maintenant. Il n'y aura pas de tumeur dans la tête et tu vas maintenant la toucher. Aussi sa nuque. Aussi là, il était maudit. Écoute, tu as été maudit par une femme. Et Dieu dit, cette pression, ces douleurs vont s'arrêter. Mais tu vas apprendre aussi à prier pour celle qui t'a maudit. Reçois, reçois, reçois. Il y a quelqu'un qui est là, les derniers temps, tu as perdu des dents. Tu as perdu des dents. Mets ta main dessus. Je crois qu'il y a encore quelqu'un. C'est comme si quelque chose, tu perds des dents. Merci Seigneur que maintenant, ce soir, que tu stoppes cela. Tu stoppes cela. Que la puissance de la guérison, de la maladie est brisée. Que la puissance de la maladie est brisée. Tu es un Dieu merveilleux. Certaines personnes sont là. Avant, je parlais avec toi. Parce que tu as problème de cœur, tu as eu la diagnose de problème de cœur. Je t'ai donné la chance après le culte, tu peux venir devant, y compris pour toi. Que tout soit de nouveau normal avec ton cœur et que les soucis que tu avais aussi à ce sujet, que ces soucis partent de ta vie. Ayons encore un moment de louange parce qu'il est bon, notre Dieu, parce qu'il est bon.